tell you things are bad? Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work. They're scared of losing their job. Dollar buys a nickel worth. Vous installez, vous vous mettez dans le salon, alors c'est le bordel, c'est d'hab, hein, chez Grease, il y a des bières par terre, il y a du papier de fast-food, c'est un peu dégueulasse, il y a les néons, il y a des pubs qui passent à la télé, il y a les news, il y a les derniers scrim sheets de la journée, c'est-à-dire les dernières informations de la journée, mais vous y faites plus trop attention, vous avez l'habitude, vous vivez dans un monde d'images et dans un monde d'écran. Juste pour info, sachant que chez moi, je pense que j'ai un max d'écrans holographiques qui diffusent en permanence des tas de trucs, et c'est ciblé pour les autres, c'est un bordel infini, mais pour moi, je m'y repère vite, tu vois, c'est en fonction des quartiers, en fonction du type de news, donc ça circule de tous les côtés. Il y a aussi des haltères par terre, parce que dès que je suis nerveux, que je suis assis, je prends une haltère et instinctivement, tu vois, j'en soulève une, alternativement d'une main, d'un bras à l'autre. Et je suis vraiment plongé dans mes pensées. Je vérifie sur mon agent 10 fois de suite que j'ai pas de message, que j'ai pas été prévenu. Et ben justement, mon cher Grease, au moment où la dernière fois que tu viens de vérifier sur ton agent, tu vois que le signal de CityNet est coupé. Et tu dis putain, c'est chelou. Tu remarques que t'as plus de réseau. Alors le réseau, je vous rappelle, c'est pas Internet, hein. C'est pas un réseau international, là c'est un réseau que municipal, vous n'avez que CityNet, c'est-à-dire un réseau qui n'englobe que la ville. Juste pour info, okay. Tous les écrans qui sont connectés eux à des news et machin continuent de circuler, ça c'est pas coupé. Le câble, la télévision elle est câblée, elle continue. Par contre tout ce qui est l'équivalent du Wi-Fi, du Wi-Fi ne marche pas, ou en tout cas t'as plus de réseau. J'interpelle mes compagnons. Vous vérifiez vos agents, vous n'avez plus rien, vous aussi? Ouais. On vérifie, ouais. Je vais immédiatement à la fenêtre et je regarde si en bas, en contrebas dans la rue, il y a quelque chose de particulier ou pas. Sur vos agents, vous n'avez pas de réseau non plus. Et en bas dans la rue, tu remarques qu'il commence à y avoir des gens qui sortent des immeubles et qui regardent et qui prennent leur agent comme ça, qui font comme ça, qui cherchent le réseau et qui n'ont pas l'air de trouver le réseau. J'analyse un peu la situation. Enfin, est-ce que je peux analyser et trouver, avoir des pistes sur ce que ça peut être? Est-ce que c'est, à quel niveau? Alors toi, ton instinct de Netrunner te fait dire que le plus simple, ça serait d'aller dans le node de l'immeuble, c'est-à-dire le point d'accès au réseau dans l'immeuble qui est juste à gauche de l'ascenseur. S'ils ont coupé les communications, c'est qu'il va y avoir une attaque. Ouais, moi, je vais au node. Il faut toujours les communications avant une attaque. Tim, tu arrives au node de l'étage. À chaque étage, il y en a un. C'est un point d'accès sur le CityNet en dehors du réseau Wi-Fi que vous avez sur vos agents. Et donc là, ça te permet vraiment d'être sûr que c'est pas vos agents qui déconnent. Tu me fais un jet d'interface. 1d10 plus interface. 1d10. Et t'as combien en interface? 4. Ça te fait un résultat de 10. Là, tu vois qu'il n'y a absolument plus rien qui arrive de l'extérieur vers les nodes de l'immeuble. C'est-à-dire que le node de l'immeuble ne te permet d'avoir accès qu'au réseau de l'immeuble. Le CityNet est coupé de l'immeuble. Est-ce qu'aux fenêtres, est-ce qu'on a l'impression que dans les autres immeubles, pas seulement dans la rue, hein, est-ce que dans les autres appartements, c'est la même chose? Est-ce que les gens font comme nous, quoi? Absolument. Vous avez l'impression que dans tout le quartier, il y a des gens qui sortent des immeubles avec leurs agents et qui essayent de choper le réseau et qui n'y arrivent pas. Moi, je surveille la rue avec mon fusil, je passe d'une fenêtre à l'autre. Alors, okay. Est-ce que je peux me connecter, moi, dans le node, là? Je peux me connecter dessus et remonter... Tu peux te connecter que au réseau de l'immeuble. Ouais. Tim, j'arrive à ton niveau, je te demande ce qu'il en est, donc, de la situation. Bah, je dis là, on est coupé du net, là, il n'y a plus rien, là. Est-ce qu'il y a un historique? Est-ce que tu peux savoir ce qui s'est connecté, qui a... Est-ce que quelqu'un a trifouillé là-dedans avant nous, aujourd'hui ou récemment? Faut que je regarde s'il y a des logs quelque part sur une machine. Tu peux faire ça, effectivement. Ton niveau d'interface plus un dé de 10, et le seuil de difficulté, il est de 12. Oh putain, c'est-à-dire qu'il faut faire 8 au minimum. Tu ne trouves pas. La seule chose que tu trouves, c'est à quel moment le net s'est coupé. C'est il y a 17 minutes, c'est-à-dire pile au moment où la camionnette s'est barrée, quoi. Tim, juste avant de te débrancher, t'as quand même une autre idée qui te vient en tête, c'est d'essayer de checker le réseau sur le quartier. Et ce que t'arrives à déterminer, c'est que le réseau s'est coupé dans un rayon de 400 mètres autour de l'immeuble, avec un épicentre qui est l'immeuble. Donc si on va à 400 mètres, on peut se connecter là. Probablement. Pas bon. Est-ce que ça peut être l'œuvre d'un brouilleur sur la zone? Je vais redescendre de là où ils étaient avec la camionnette là. Ok, mais alors c'est un objet qui brouille, c'est quoi? Parce qu'on pète l'objet, on pète le truc, non? Ouais, ça peut être ça, faut trouver ce que c'est quoi. T'as un moyen de localiser la source en étudiant tout ce bordel de câblage et de... Bah on va essayer. Attends, si tu descends, j'ai une idée. T'as pas une... Vous voulez pas installer une caméra ou un drone et... J'en sais rien, moi, un truc qui, une fois qu'on sera remonté, pourra surveiller l'entrée. Attends. Moi, une fois qu'il m'a dit ça, je te mets la main sur l'épaule, je dis attends, il y a une urgence là, il faut qu'on se parle tous. Et j'essaie de t'entraîner pour qu'on retourne tous dans mon appart. Ok, je te suis, qu'est-ce qui se passe? Moi, je les écoute, mais je reste aux fenêtres et je regarde ce qui se passe en bas. Ok. Mon fusil à la main, j'ai un fusil d'assaut. Ah oui, d'accord, c'est pas un fusil, ouais, c'est un fusil d'assaut. Attendez, on apprend que l'immeuble va être détruit dès demain par une corpo. On n'a pas été mis au courant, en tout cas je suis le proprio, je suis censé être le premier au courant, c'est pas le cas. Demain ils détruisent tout, ça veut dire qu'avant de tout détruire, il va falloir qu'ils fassent le ménage, qu'ils nous foutent tous dehors. Le réseau vient de tomber, ils étaient là il y a 5 minutes, enfin il y a un quart d'heure, je le sens pas cette histoire. Dans la guerre, c'est ce qu'ils faisaient, hein. Ils coupaient les coms avant les attaques. Bah, pas que dans la... Mais vous croyez que c'est la première fois qu'une corpo ferait ça? Franchement, moi je vous dis les gars, là, il a raison Gris, ça pue la merde cette histoire. Faut aller fermer les portes en bas, mettre des putains de caméras de sécurité. Moi je vais descendre, je vais aller chercher mon matos dans mon appart parce que j'ai rien ici à part mon flingue. Ça sent la merde, t'as raison. Je connais forcément tous les gens qui vivent dans mon immeuble, donc j'aimerais bien avoir une petite liste de qui et ce qu'il sait faire et ce qu'il fait. Et deuxième chose, dans mon agent, immédiatement, ça va être le truc que je vais faire immédiatement, tous les gens que je connais qui sont dans les médias, qui ont du pouvoir médiatique, tous, je leur envoie un message en les disant urgent. Tu peux pas envoyer le message. Le réseau est tombé aussi téléphonique. Bah oui, là, t'as plus de réseau là. D'accord. Putain. Pour répondre à ta première question, Grise, dans l'immeuble, t'as essentiellement des employés de deuxième zone, c'est-à-dire t'as pas de vrai de cadre corporatiste, ils habiteraient pas là. C'est la classe ouvrière quoi que tu as dans l'immeuble. Ok, la question c'est est-ce qu'il y a des ressources physiques, armées, qui pourraient savoir se défendre? Et est-ce qu'il y a des gens qui ont des capacités techniques, technologiques particulières, mis à part le Toubib? Non, en dehors de Royal qui n'est plus là, il n'y a pas de solo dans l'immeuble, ça c'est sûr. Le seul qu'il y a c'est Royal et il n'est plus là. Et Brad, qui lui vit dans l'immeuble et qui est là. Et le seul netrunner à ta connaissance dans l'immeuble, c'est ton pote Tim et il est à côté de toi. Alexis, tu avais une question. Ouais, est-ce qu'on peut essayer de véhiculer la rumeur dans les immeubles alentours de manière à créer un climat d'insurrection? Parce que nous, on est 5, hein, on est bien gentils, mais on est 5. Mais par contre, si tout le quartier se soulève, 400 mètres, ça fait beaucoup, ça fait des milliers de personnes. Quoi. Mais il nous faut un réseau, hein. Mais tu crois vraiment que ça va marcher? Les gens, ils lèveront jamais leur cul pour nous. Mais on est dans une société de merde. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre un drap? Tu vas marquer Sauvez-nous? Tu crois vraiment que ça aide les gens? Moi, je te dis, on est solo encore une fois. Si tu veux, moi, j'y crois pas. Ça me saoule. Et là, tu vois que je suis un peu énervé et tendu, et je quitte la pièce et je vais chercher des armes parce qu'en fait, j'ai peur. Et je vais chercher des munitions. Donc, voyez Tim qui descend au deuxième étage. Sid, qui va au deuxième étage dans lequel il y a l'appartement qu'il partage avec Tim et avec Brad. Tim, tu avais quelque chose à me dire? Je le suis alors. Ouais, je vais voir dans la rue, à l'endroit où ils étaient, voir s'il n'y a pas des traces de... Alors déjà, la première chose que tu constates quand tu arrives dans la rue, c'est qu'il y a 90% de l'immeuble et des immeubles alentours qui sont dans la rue. Et ça commence à gueuler. C'est-à-dire que les locataires de votre immeuble ne sont plus dans leurs appartes, ils sont tous dans la rue. Les gens gueulent, ils comprennent pas pourquoi il n'y a pas de réseau, tu vois que c'est le bordel. À l'endroit où ils étaient postés, l'architecte et tout ça, là, le mec, ouais. je regarde qu'ils n'ont pas mis un brouilleur sur un câble ou tu vois. Tu me fais un jet de révéler objet. Oh, un 1, c'est un fumble. Donc tu ne trouves rien. Quand même, ça m'étonne que je trouve rien, alors je re-recherche. Attention, parce qu'un deuxième échec veut dire que tu te perds dans le quartier. Tu peux pousser les dés, hein, comme on dit. Hein. Mais attention, un échec là, il a une conséquence. Vas-y, si tu veux. Ouais, ouais, j'y vais. Je suis vraiment étonné de rien trouver. Oh, joli. Oh, ça, là, pour le coup, tu me fais une très belle réussite. Tu relances un dé de 10, puisque tu as fait un 10. Tu rigoles moins, là. Ça fait 19 et 4, 23. Tu cherches, tu trouves rien, tu connais chaque recoin du quartier, et tu es là, tu te dis putain, mais il n'y a rien. Pff, tu soupires, et au moment où tu soupires, pff, tu lèves la tête là, et en levant la tête, dans le ciel, tu vois un hélicoptère. Putain. Bah, pendant ce temps, je voulais juste préciser, Brad, nous on monte sur le toit pour sécuriser le toit. J'aurais dû le dire avant, mais. Non, Brad, il est descendu, il n'est pas avec toi là, t'es tout seul avec Torch. Brad et Sid, ils sont descendus au deuxième étage. T'es tout seul avec Torch. Et nous, on n'entend pas l'hélicoptère ? Vous commencez à entendre... Voilà, je remonte les prévenir. Ok, Brad et Sid, vous êtes au deuxième étage, vous arrivez dans vos appartes, vous prenez vos armes, votre matos, qu'est-ce que vous faites ? Vous commencez à entendre un bruit qui ressemble à celui des pales d'un hélicoptère qui tourne dans le ciel. Oh bordel. Brad, c'est la merde. Je vais sous mon lit, dans l'intérieur de mon matelas, j'ai une petite poche avec de la thune. Je les mets dans un sac. Je mets mes chargeurs. Je mets toutes mes armes défensives. Je prends mon petit sac de sport. Est-ce que j'ai des explosifs, Henri? Non, je pense pas. Hein. Si c'est pas sur ta fiche de vie, tu les as pas. Non, j'ai rien. Je prends Prends tes partoches. Et bah exactement, tu vois, j'ai une liste de... J'ai plusieurs guitares, et tu vois que je suis devant et je suis en train de galérer à choisir laquelle je vais prendre. Tiens, prends celle-là, et je l'attrape, et je lui mets une guitare dans les mains, et je lui dis, viens, on se bat. Mais non, pas celle-là, t'es con. Attends, et là, je prends celle, et c'est avec celle-là que j'ai composé Captain America. Et là, voilà, je la prends, et je monte. Et on part sur le toit. On gueule l'info au passage sur le toit. Ok, Tim, t'es en bas de l'immeuble, t'étais sur le point de remonter, et sur ton agent, il y a eu marqué incoming message, et il s'est pas chargé en entier, c'est-à-dire que tu vois que t'as failli recevoir un message, mais que le brouilleur a dû le couper, t'as juste vu incoming message, et il a pas réussi à se loader en entier. Et ça vient de qui, on le sait? Je sais pas, non. Non, il n'y a pas de truc avant. Bah, je continue à monter là pour aller voir mes potes, pour les prévenir qu'il y a un hélico. Quand tu arrives dans l'appart, on va le gérer après. Je vais d'abord gérer mon cher Grease et mon cher Torch. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes montés sur le toit, vous hein? En fait, ouais, je voulais pas t'interrompre, mais l'idée c'était un moment de dire on va quand même monter sur le toit parce que, en réfléchissant au truc, c'est que si jamais ils veulent nettoyer l'immeuble, si en bas c'est le bordel, la logique c'est que dans ce cas ils passent par en haut et ils font le vide par le haut, tu vois. Donc l'idée c'était de monter sur le toit et de voir en fonction de la configuration du toit qu'on peut y faire. Ok, sur le toit, au début, les premiers arrivés sur le toit c'est Grease et Torch. Quand vous arrivez sur le toit, vous voyez effectivement tous les deux, vous voyez un hélicoptère en approche. C'est un très gros hélicoptère, probablement de Militech. Oh. Vous voyez qu'il survole comme ça, il est au-dessus du toit. Il y a des bâtiments, il y a quelque chose sur le toit, il y a non, il y a juste antenne, il y a quelque chose, n'importe quoi. Il n'y a rien de particulier en dehors de ce qu'il y a dans un immeuble, c'est-à-dire des conduits d'aération, l'évacuation de la clim, ce genre de choses, quoi. Okay. Et l'accès qui vous permet de descendre. Ok, juste les clims, elles sont trop petites pour qu'un homme rentre dedans. Ouais, les clims, elles sont trop petites. Ouais. Donc le seul et unique accès pour descendre, c'est celui par lequel on est monté. Exactement. Okay, et vous voyez que l'hélicoptère tourne vraiment autour de l'immeuble et plus ça va, plus il descend vers l'immeuble. Ouais. Immédiatement, je fais signe à mon comparse, je lui fais signe qu'il faut qu'on rentre immédiatement. Et dès qu'on est dedans, qu'on peut se parler, je lui gueule, il faut qu'on trouve un moyen de faire péter cet endroit, qu'il puisse pas passer par là. Sous-entendu, est-ce que t'as de l'armement lourd? Parce que Moi, j'ai qu'un flingue, j'ai pas de... Ok, donc Torch et Grease, vous en êtes là. Sid et Brad qui vont arriver, mais avant, je gère le dernier élément de Tim. Tu rentres dans l'immeuble et à ce moment-là, tu me fais un petit jet d'interface. Il faut que tu me battes un 8. 6 plus 4. 10. Ça fait 10, donc tu me bats un 8. En montant, t'arrives dans l'ascenseur, t'essayes de machin, tu trifouilles ton agent et tu réussis à choper le message que tu reçois. Et dans le message, tu vois Tim, je n'arrive pas à joindre Grease. Il m'a demandé une info et c'est ultra urgent. Une Black Op de Militech qui vient de recevoir pour ordre d'assassiner le propriétaire de l'immeuble qui se trouve au 17 de la rue des Peupliers, c'est-à-dire la rue où vous vous trouvez à Night City. Tu rentres dans l'ascenseur. Qui envoie ça? C'est Royal? Non, c'est un contact en commun que tu connais visiblement, mais c'est surtout un pote de Grease qui visiblement n'arrive pas à joindre Grease et qui te l'a envoyé à toi. Message d'urgence, c'est de la source en interne, c'est-à-dire que c'est probablement quelqu'un de Militech que Grease a essayé de joindre. T'en as déjà croisé 2 ou 3 des contacts que Grease avait chez Militech, mais visiblement ils n'arrivent pas à joindre Grease, ils te l'envoient à toi vu l'urgence du message. On va gérer Brad et Sid qui arrivent sur le toit. Vous arrivez sur le toit, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez l'hélico et vous voyez Torch et Grease qui sont en état de panique, qui sont en train de s'affairer autour de la porte par laquelle on arrive au toit, et vous voyez que l'hélico descend. Il descend très lentement. Donc, si j'ai bien compris, on est juste avant de sortir parce que c'est là où on voulait être plutôt calme, Grease. Moi, je regarde et tu vois que j'ai un flingue qui est quand même un énorme flingue, et je regarde, je fais... Je suis pas sûr que ça suffira. Vous avez des news? Là, immédiatement, moi, je fais signe de re-rentrer dans le corridor, dans l'escalier, pour qu'on soit déjà pas à portée d'écoute éventuelle. Et dès qu'on est dans le truc, je regarde surtout celui qui serait censé être le plus lourd en équipement militaire. Je lui dis, est-ce que t'as de quoi faire sauter cet endroit? Donc en gros, vous vous mettez derrière la porte d'accès au toit, hein, c'est ça? On va juste gérer la situation géographique. Ici, là, voilà, c'est l'accès à l'immeuble. Donc vous vous cachez, vous, on est d'accord, vous êtes caché derrière la porte qui donne accès au toit. Dès qu'on est rentré, moi je leur fais signe de descendre de quelques marches, un demi-niveau quand même, qu'on soit pas juste derrière, parce que si cet hélico, il est comme je l'imagine moi, à ce moment-là, je sais pas qui sont obligés de me buter, mais... Ils veulent se poser là et rentrer. Si jamais ils foutent la merde, non, moi je leur dis, est-ce que l'un d'entre vous a des grenades, n'importe quoi, pour faire sauter et bouler un truc de manière à leur couper l'accès d'ici? Ouais, j'ai rien, désolé. Grease, mais non, mais tu vas pas faire, on va pas faire sauter l'immeuble. Mais pas l'immeuble, juste la porte. Ça va les arrêter combien de temps? Ils vont débouler à 50. Et puis c'est fini. Justement, fin du game. Si on fait s'effondrer le truc tout de suite, on gagne peut-être 1 heure. 1 heure pour l'instant, c'est peut-être ce qui peut nous permettre déjà de réfléchir à la suite. J'ouvre la porte, je vise l'hélico et je tire. Mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Tu tires? Oui. Ok. Moi, j'ai la main devant, genre. Est-ce que je connais l'hélico, ce modèle ou... Non, tu vois que c'est un hélico probablement de Militech. Au moment où tu sors, tu commences à viser, tu tires. Au même moment, il y a un câble qui est descendu de l'hélico et tu vois qu'il y a 3 agents qui descendent, et tu vas me faire un jet pour savoir si t'en touches un des 3 qui sont en train de descendre sur le câble, et les mecs sont en train de descendre. Je vise l'hélico. Hein. Tu vises l'hélico ou les agents qui sont en train de descendre sur le câble? L'hélico, moi. L'hélico, ok. Henri, juste pour info, une fois qu'il a tiré, mon idée c'est de le choper par le col, de le tirer en arrière, parce que moi je me dis que face à un hélico, il doit avoir de l'artillerie lourde, il va faire 10 secondes avant de se faire massacrer, et c'est qu'on descende, parce que dans un couloir, c'est ce que je gueule d'ailleurs, je le gueule en descendant, dans un couloir en ligne droite, il y en aura 1, peut-être 2 vaguement, mais ils pourront pas être 10, quoi. Et donc là on aura plus de chance, parce que sinon on va se faire démonter. Ok. Je fais 17 pour toucher. Tu fais un 17, sachant que ils sont l'hélico. Puisque c'est l'hélico que tu vises, il est à 12 mètres d'altitude à peu près, par rapport au toit en tout cas. Okay. Donc pour toucher à 12 mètres, il faut faire 15. Eh ben, j'ai fait 17. Donc tu touches l'hélico, tu me lances les dégâts. Fais là. Ouais, ouais, vas-y. C'est pas fabuleux, ça. Tu as fait 13 en dégâts. 13. Ok. Ouais. J'ai un truc à faire donc, pendant que Grease tire. Là, vous voyez, là, tu vas pouvoir réagir, mais là, vous voyez, c'est avec quelle arme que t'as tiré? Au fusil d'assaut. Donc là, vous voyez, vous voyez des étincelles jaunes qui jaillit sur la paroi droite de l'hélicoptère. Vous voyez des petits bouts de métal qui sautent et tout, mais ça endommage pas plus que ça l'hélicoptère. Sid, qu'est-ce que tu allais dire? Moi, ce que je fais, c'est je regarde les petites bouches à incendie qu'il doit avoir sur le dessus. Et je commence à les aligner une par une pour qu'il y ait l'eau qui commence à couler. Je chope le comment ça s'appelle les les trucs pour éteindre les incendies, les extincteurs, excusez-moi. Je chope les extincteurs et je le mets à portée de tir quand on sera en bas. Et donc je commence à descendre. Donc tu me fais un jet de tir pour les bouches à incendie avec t'as un bonus de 2 vu que c'est vraiment facile à viser, c'est stable, etc. Donc je fais 18. Ouais, sur une difficulté de 12, donc tu réussis. Donc tu réussis à faire exploser deux bouches qui se pètent à gicler. Il y a de la flotte qui se met à gicler sur le toit et tu chopes un extincteur. Tim, pendant qu'il se passe tout ça sur le toit, toi t'es en train de monter, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis au moment où j'entends les coups de feu là. T'arrives au sixième étage. T'allais rentrer dans l'appartement pour retrouver les autres et tu vois qu'il n'y a personne dans l'appart et t'entends des coups de feu sur le toit. Bah, cours sur le toit, parce que moi le but c'est d'aller prévenir Grease qu'il est en grand danger quoi. Ok. Donc maintenant nous allons rentrer. Spoiler, c'est vrai. Nous allons rentrer en mode combat et donc je vais vous demander à tous de faire un jet d'initiative. Attends, moi j'ai pas agi. Hein. C'est normal. C'est normal, il n'y avait pas la place. Donc Sid. C'est toi le premier, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on peut retarder notre initiative ou pas? Bien sûr. Ok, moi juste je descends de quelques marches, je mets mon flingue pour tirer sur l'extincteur et je dis à tout le monde, descendez, on va faire péter ça. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Dès que tout le monde sera passé, je tire. Ok, tu me fais un petit jet de vigilance de découvrir objet caché là. Cache, révéler objet et je fais un petit jet, je fais 7. Ok, tu remarques un spécial. Tim, qu'est-ce que tu fais? Je suis où, moi? Avec eux, tu viens d'arriver derrière eux, tu es là. J'attrape Grease et j'essaie de le tirer en arrière pour le protéger, quoi. Pour moi, c'est vraiment pour lui parler en même temps. Je lui dis qu'il est en grand danger, qu'il y a une opération là sur lui, qu'ils veulent... Enfin, voilà, quoi. Grease, ça tombe bien, c'est à ton tour. Donc, t'étais sur le point de faire je sais pas quoi au moment où t'es tiré en arrière par Tim qui te dit, putain, mec, ce qu'il vient de te dire, c'est-à-dire on essaye de t'assassiner. Ok, juste quand il fait ça, moi j'allais, donc ma main rip, j'allais choper Brad par le col et je gueule « Brad à couvert !» Et tandis qu'on descend les marches, l'idée c'est de se réfugier au sixième étage, le nôtre, celui qu'on connaît le mieux. Et en descendant, je dis à Tim « Est-ce que t'as moyen de te connecter pour tout verrouiller, avoir le contrôle, qu'ils nous surprennent pas ?» Ah ouais, je pense que oui, on va regarder, viens, on s'en va. Là c'est le tour des agents de Militech, donc là les agents ils tirent. À peine ils ont posé le pied par terre, vous voyez que les mecs ils sont surentraînés, ils descendent du câble à une vitesse de malade, ils descendent comme ça, ils glissent sur le câble, ils arrivent, ils vous tirent dessus. Donc le premier tire en direction de la porte, sachant que nous avons Brad qui est près de la porte, puisque Brad a tiré sur l'hélicoptère et qu'ils arrivent à toucher. Brad, il y en a 10 qui vont sur la porte, les 10 autres vont sur toi, tu déduis si tu as une armure. J'ai une armure de 15. De 15, donc tu prends rien du tout. Le deuxième touche aussi. Tu as une armure de 15. Il fait 17. Donc tu prends 2 points de vie et tu en enlèves 1 à ton armure. Parce que vous savez, quand les dégâts dépassent le cas de votre armure, ton armure perd 1 point. Et le troisième... Merde. 22. Il touche aussi. Oh. Il fait... 13, donc lui par contre, donc tu ne prends rien. C'est ton armure qu'encaisse, mais tu vois des étincelles autour de toi. Brad, qu'est-ce que tu fais? Justement, c'est à toi. Juste une chose, je sais qu'ils ont le même type d'armure ou mieux. C'est des agents de Militech, ils ont du matos que tu pourras jamais te payer. D'accord. Bon, bah j'envoie une rafale en reculant vers l'ascenseur. Tu vises un en particulier quand même? Bah, le premier qui vient, mais j'essaye de... En fait, je protège ma fuite, quoi. Alors, tu me fais un jet et tu as moins 2. Sachant que... Un tir de barrage. Ouais, sachant qu'ils sont à 18 mètres de toi. Oh là là. Alors attends. Easy. J'ajoute là. 18. C'est bon, 18. Tu touches. Tu fais les dégâts. Ok. Oh là là. Oh, il y a beaucoup de 1. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Donc tu vois tes balles qui touchent, tu sais pas si ça leur fait des dégâts, tu sais pas quelle armure ils ont. Torch, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais, Torch? Moi je recule avec mon fusil à pompe et je les arrose pour leur, plus pour les ralentir que pour les tuer parce que j'ai peu d'espoir, mais pour leur montrer qu'on a, des armes aussi, quoi. Donc t'as moins 2 à ton jet, mais tu peux quand même en faire un, vas-y. Sachant que... on a 18 mètres. Allez, 9. Tu fais un 19 avec une arme d'épaule sur 18 mètres. Il faut que tu fasses 17. 19 moins 2, tu fais 17, donc tu touches tout juste. Vas-y, tu me lances les dégâts. J'ai fait 9. D'accord. Sid Pistol. Sid. Moi, c'était la fin du tour précédent. Maintenant que tout le monde est passé, je bombarde, j'explose l'extincteur. En gros, je voulais juste qu'il y ait de l'eau et de la mousse et qu'avec un peu de chance, ça glisse et ça soit confusant. Et je descends pour rejoindre tout le monde au 6e. Donc tu tires dans l'extincteur et effectivement, paf, ça pète comme ça. Il y a de la mousse autour et là tu te dis c'est ridicule. C'est ridicule. Il y a de la mousse autour d'un extincteur. Et de l'eau. Et de l'eau. Et tu te rends compte et tu te dis putain je suis quand même vachement meilleur en composition qu'en stratégie militaire. Ah mais je le sais, Et là je me dis putain mais dans quelle merde je suis encore. Vous arrivez au niveau de... votre appartement au 6e étage. Vous êtes dans le couloir, hein, vous n'êtes pas dans l'appart. Le dernier à être descendu, c'est Brad. Brad, tu me fais un jet de vigilance. On n'est pas bon en vigilance. Tu me fais un 1, tu me fais un fumble. Donc tu ne... Est-ce que je peux rajouter un peu de chance ou... Ouais, tu peux. Faut que je fasse combien? Ça faisait 7. Un point de chance seulement. Allez, j'en mets un. Tu es le dernier à descendre, donc tu fermes la porte, il y a de la flotte partout, il y a de la mousse autour d'un extincteur sur lequel ton ami Sid a tiré. Et en fermant la porte, tu remarques que l'hélicoptère, il repart. Il y a 3 mecs sur le toit, sur lesquels tu as tiré, qui vous ont tiré dessus, etc. Mais tu vois que l'hélicoptère, il repart, mais il part pas en hauteur. Tu vois qu'il repart sur le long du toit et qu'il redescend. Tu as l'impression qu'il descend vers la rue et au dernier moment, du coin de l'œil, tu vois une nana à l'intérieur de l'hélicoptère. Tu vois qu'il y a des militaires, en tout cas des agents de sécurité de Militech, mais tu vois qu'il y a aussi une nana. La seule chose que tu as vue, c'est qu'elle avait sur les yeux, elle avait exactement la même chose que Tim d'ailleurs, c'est-à-dire une interface, ce qu'on appelle une cyberconsole, c'est-à-dire un truc qui permet de se connecter beaucoup plus rapidement au net ou à l'intranet. Donc probablement un netrunner, elle avait une gueule de netrunneuse, quoi. Vous arrivez donc au 6e étage, qu'est-ce que vous faites ? Question MJ, c'est quoi la porte qui est là-haut, là au nord, celle où je pongue ? Ça donne accès à un autre appartement dans lequel il y a un locataire qui lui a déjà payé son loyer. Il s'appelle Oliver Norak. C'est un écrivain qui gagne très bien sa vie et qui du coup a bien payé son loyer en temps et en heure. Non, question, la cage d'ascenseur, il y a une partie technique en haut. En gros, la question, c'est est-ce que les mecs, maintenant qu'ils sont sur le toit, il y en a qui pourraient s'infiltrer pour descendre par la cage d'ascenseur ou non. Ça, c'est impossible? Non, c'est pas possible. Le seul accès au toit, c'est l'escalier par lequel vous venez de descendre. Bon, ok, d'accord. Et le truc là, parce qu'on va se faire prendre un revers par en bas. Et la console de l'immeuble, elle est là. Hein. Elle est juste à gauche de. Ouais, c'est ça. Là où il y a Tim. Okay. Donc moi, je me fous à côté de Tim. Je couvre cet escalier là, au cas où les mecs monteraient par là. Ouais. Bon, l'escalier de secours, il n'y a pas de fenêtre autour de moi, on est d'accord? Non. On peut pas me flinguer par une fenêtre. Non. Et je jette de temps en temps un coup d'œil quand même vers aussi la porte de mon appart, au cas où les mecs passeraient par la fenêtre de mon appart. Et voilà, j'ai accès sur ces 2 trucs-là. Et l'idée, c'est de demander à Tim de vérifier s'il peut pas bétonner, qu'on se fasse pas pirater techniquement par l'immeuble, en fait, qu'il puisse pas ouvrir, fermer les volets comme ils veulent. Ok, donc tu es en train de lui dire ça. Au moment où tu lui dis ça, tu vois qu'il y a Tim qui est en train de se préparer. Il a pris sa cyberconsole, il est devant le node. À ce moment-là, vous êtes douché. Il y a de l'eau qui se met à couler des plafonds. Il y a la sécurité incendie qui se met à couler des plafonds. Et vous voyez la porte de l'ascenseur qui se ferme. Schlac ! Elle se ferme définitivement. Et vous voyez les lumières qui s'éteignent à tout l'étage. Il n'y a plus de lumière. Vous voyez que c'est une bonne idée. Vous êtes dans le couloir, vous êtes dans l'ombre, vous êtes arrosé de flotte, il y a de l'eau qui vous coule dessus, mais non-stop, quoi. Pshhh, vous êtes là, ah putain, comme sous des douches, plus de lumière et l'ascenseur fermé. Je mets ma cybervision en marche pour pouvoir dans la pénombre. Est-ce que le système de l'immeuble là fonctionne toujours ou pas? Ou c'est grillé du coup? Tu te connectes? Ouais. Tu te connectes, tu vois que le système fonctionne toujours. Mais qu'il est protégé, bizarrement, par un mot de passe qu'il n'y avait pas avant. Donc là, tu vois que tu es au niveau 1. Pour passer au niveau 2, c'est-à-dire avoir accès au réseau de l'immeuble, il va falloir que tu battes un mot de passe de niveau 15. Sachant que tu as donc 9 plus ta compétence. T'as combien en interface? T'as combien en interface? J'ai 4. Eh ben non, c'est impossible, sauf si tu fais un 10, parce que je te rappelle que si tu fais un 10, tu relances un autre dé de 10. Oh. Donc là, tu vois que la constatation que tu fais, c'est « Ok les gars, y a quelqu'un qui s'est connecté au système intranet de l'immeuble qui m'a foutu un putain de mot de passe de malade. » Qui m'a mis une sécurité de malade. La seule chance que tu as de réussir à craquer ce truc, c'est de faire un jet de 10. Hein, vu ton niveau d'interface. Qu'est-ce que vous faites? Vous entendez des bruits de pas dans l'escalier qui descend depuis le toit vers moi, je leur dis qu'il faut, il faut évacuer là. Je suis avec Grise, là je dis j'y arrive pas, c'est trop compliqué, je peux pas là, faut qu'on évacue là. Faut qu'on se barre, je suis d'accord. On est pas bon. On va où? On va dans l'appart, je vois rien moi les gars. Non, on sort. J'allume la lumière de mon agent. Non, éteins, suis-nous. Sachant que l'ascenseur il est fermé. Hein. Ouais. On descend par l'escalier. Ouais, il y a déjà l'escalier. Ok, bah j'arrive. Vous êtes en train de me dire qu'il faut que je lâche mon immeuble comme ça là? Ouais. C'est toute ma vie. Bah, c'était un taudis, hein. Faut se rendre à l'évidence. Hein. Mais les gars, ils ont dit qu'ils voulaient buter le proprio ou qu'ils voulaient le proprio? Parce que. Ils voulaient le buter. Bah les gars, faut se battre. Vas-y, on y va les mecs là. Vous descendez dans l'escalier? Ouais. Moi je descends, ouais. Moi clairement je joue mon personnage, il va falloir qu'il y en ait au moins un ou deux qui descendent parce que je peux pas descendre, je peux pas accepter de lâcher le lieu comme ça. Putain Gris, tu vas crever, tu vas lâcher ton immeuble une fois mort. Dépêche-toi, c'est mon anniversaire en plus, allez. Je sors mon super pistolet lourd, je le braque dans la direction du couloir où pourraient venir les mecs et je dis « Motherfuckers !» Et je braque mon gros flingue dans la direction du couloir et je vous laisse passer au moins un ou deux dans l'escalier. Ok. Tu mets ton token là où tu te mets. Bah je me mets là, je laisse juste de quoi passer. Moi je suis au coin là, en fait il faut que tu viennes avec moi si tu veux tirer dans le tas. Tu te mets il faut que tu viennes là. En gros tu tires dès que tu vois quelqu'un arriver là quoi. C'est ça? Bah non parce que si lui il reste là, je veux pas lui tirer dessus non plus. Non mais attends, là ils vont bouger eux. On va faire les autres dans l'ordre, on va faire Torch. Torch, tu fais quoi? Donc il y a Tim. Tim, tu commences. Il est descendu, il est parti dans l'escalier. Torch. Je suis barré, moi je suis en train de descendre. Tu descends avec Tim. Ok. Brad. Eh ben, j'ai dit que je couvrais leurs arrières, mais s'ils restent, je me barre. Hein. Donc tu vas dans l'escalier aussi? Ouais, je suis. Ok, Sid. Moi, si j'entends la petite speech de Grise. Est-ce que moi je... Ouais, je le regarde, je fais putain d'enculé. Et je fais quelques pas et à côté de lui, je sors mon flingue et je braque et je fais... On n'a qu'une seule vie, c'est ça? Okay. Donc vous restez là tous les deux. Donc les trois autres, vous descendez dans l'escalier. Je gérerai les trois autres après. On va d'abord gérer. Non, je descends pas si tout le monde n'est pas venu. Hein. Non, tout le monde n'est pas venu. Tim, tu vois que si des Grises, ils restent à l'étage et ils braquent en direction de la sortie du toit. La condition pour descendre, c'était que tout le monde vienne. Je crois qu'on n'a pas respecté la condition. Alors ouais, du coup, je retourne en arrière et leur dire, essayez de les tirer vers nous, quoi. Ok. Donc au moment où j'alpague Tim au moment où il passe là. Je lui dis Tim, tu vas nulle part, tu descends. Et je dis aux deux autres, je tire dessus au fusil d'assaut depuis tout à l'heure, ils bougent pas. C'est pas vos petits flingues qui vont les arrêter, on y va. Oui, bien sûr. On n'abandonne pas. Au moment où Tim, tu reviens sur le palier, il y a un premier agent Militech qui apparaît au coin et qui se fait immédiatement canarder par Sid et Grise qui me font tous les deux un jet. Alors, Grise, tu as fait un fumble, c'est pas terrible, et Sid, c'est pas terrible non plus. C'est pas terrible. Marche ton flingue à toi, parce que oui, il marche. Ah merde, la sécurité, c'est ça. Donc, en fait, mourir comme des merdes. Donc là, vous voyez, Tim, quand tu arrives sur le palier, tu vois Grease et Sid qui sont là. Putain, on va leur niquer la gueule. Et ils tirent dans le plafond. Tu les vois, ils tirent. Moi j'ai la télécommande à la main. Ils sont même pas à 2 mètres de leur cible. Ils sont à 10 mètres de leur cible. Ils tirent dans le plafond et tu vois les lampes qui s'effondrent sur le sol. Et au bout du couloir, tu vois l'agent de Militech qui les regarde genre mais qu'est-ce et qui se met à leur canarder dessus à son tour. Hop. Putain, c'est bien les gars, c'est bien. Et qui lui fait un 10, lui il fait 10, lui il fait 10, et donc là il touche, la tête. Il tire, et il fait 19 points de dégâts, et donc là je vais faire un dé de 2, un dé de 4, divisé par 2 pour savoir s'il tire sur Sid ou sur Grease. On va dire que 1 et 2 c'est Sid, 3 et 4 c'est Grease. Ah. Eh bien, nous avons fait un 2, donc c'est sur Sid. Sid, tu prends 19 points de dégâts. J'ai 7 points d'armure, donc je descends à 6. Et tu t'enlèves 1 point d'armure. C'est ça, ça descend à 6 et je me prends donc 12 points de vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Tim, qu'est-ce que tu fais à Tim? Je me casse. Tu redescends dans l'escalier? Ouais, bah oui. Ok, Grease. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Moi, à ce moment-là, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai mon flingue braqué sur le gars, je gueule, ah, vous êtes chez moi, et je tire comme un porc, et en fait, je cours pour rentrer dans mon appart. Moi, ils me chasseront pas de chez moi, en fait. D'accord. Et si je dois crever, c'est dans mon appart. Donc, tu me refais un jet de tir, il faut que tu me fasses du 16. Il me demandait. C'est ça. Voilà. Je peux faire des dégâts? J'ai le droit? T'as réussi? Ouais. Bah j'ai fait 16. Ah bah bravo. Alors, dégâts. Voilà. Oh, 11. Ok, à la fin de ton action, tu arrives devant la porte. Tu es pas rentré encore chez toi, mais t'es devant la porte. Au moment où tu passes, tu vois un deuxième agent qui arrive derrière lui, qui lui, te voyant passer, te tire dessus. Oh putain, j'ai fait des jets de malade quoi. Ça de 1. Je fais des jets de malade. Il a touché. Et il t'enlève 16 points de vie. Ok, donc mon armure passe à 10 et en réalité j'en perds 5. Brad Marshall. Je suis Tim et je le protège dans la descente. Donc, ok, donc tu descends aussi. Vous descendez jusqu'en bas de l'immeuble ou allez à l'étage d'en dessous, Tim et Brad? Jusqu'en bas. On sort. Votre objectif, okay. Tim et Brad, c'est de descendre jusqu'en bas de l'immeuble. Ouais. Mais moi aussi, hein. L'immeuble d'en face est à quelle distance? Entre les deux trottoirs et la rue, t'as bien allé 8-9 mètres, quoi. D'accord. Mais vous n'êtes pas encore en bas, hein. Attends, vous êtes au 6ème étage à pied, hein. Un round, c'est 3 secondes. Hein. Est-ce que la cage d'escalier est aérée? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un trou au milieu d'où on peut nous tirer? Non. Absolument pas. C'est déjà ça. Non. Torch, je suppose que tu descends avec les autres? Bah ouais, moi je crois que je pense que tout le monde me suit en fait. Ok, Sid. Ben moi ce que je fais en fait, c'est littéralement mon objectif, c'est de foncer sur lui pour rentrer dans l'appart en l'éclatant contre la porte et de tomber chez le médecin avec mon flingue. Je cours, connard de corporiste, je tire comme un bourrin. Mon perso vraiment, c'est un gamin des rues. Vers lui. Ouais, genre je fonce dessus et mon idée c'est de le plaquer et de le balancer dans l'autre appart. Ok, t'as combien en mouvement? Sur ta fiche de vie, il y a combien en mouvement? En mouvement, il y a 6. Ok. Mais j'ai 10 en volonté, je suis super motivé et j'ai 10 en corps. Non, mais donc je vais t'accorder un bonus de plus 2 du fait que tu vas tirer quasiment à bout portant parce que tu vas tirer quand tu seras juste à côté de lui, quoi. Exactement. Donc vas-y, fais-moi un jet. Et t'as un petit plus 2. Oh putain, c'est pas possible, arrêtez de me faire des fumbles. Mais est-ce que je peux utiliser mes points de chance? Tu peux. Bah vas-y, je grille mes 6 points de chance, tous les points de chance dont j'ai besoin. J'avais fait 11. Plus 2, 11, plus 2. T'as besoin que de 1 point de chance. Ok, j'utilise un point de chance. Ok. Donc tu touches, tu me fais les dégâts. Et donc ça fait 16 dégâts. Pas mal. Donc là, tu, quand t'es passé près de lui, bam, t'as mis un coup là, et tu l'as touché en pleine épaule et tu vois qu'il a reculé d'un mètre, genre l'armure a pas suffi à empêcher de faire du bon dégât, quoi. Mais mon objectif, c'était que dans le mouvement, j'essaye de le plaquer pour qu'on passe à travers la porte de l'appart, hein, celle-là. Avec lui ou avec lui ou... Avec lui, avec lui. Ah, je veux l'embarquer, moi. D'accord. De l'entraîner avec toi. Ouais, okay. Moi je veux qu'on finisse au corps à corps. Donc là, t'arrives effectivement, tu lui tires une balle, il est reculé en arrière, il tombe contre la porte, et là tu le pousses, en même temps tu le pousses à travers la porte, et quand vous arrivez dans l'appartement du Reaper Doc Carver, tu constates que le Reaper Doc, justement, il était derrière la porte, et il a deux flingues sorties, et il fait Wah! Et il se met à tirer comme ça sur le... sur le l'agent Militech avec deux pétards, un pétard dans chaque main, il se met à tirer comme ça. Je viens de lui offrir une semaine de loyer. Et, et tu vois qu'il touche, que il prend l'agent prend des balles, mais il reste debout. Tim, tu continues de descendre les escaliers, vous avez descendu 2 étages, vous êtes au 4e. On continue. Qu'est-ce que tu fais? On descend. Nous, on sort de l'immeuble. On écoute s'il y a personne qui monte, tu vois, on continue de descendre. De toute façon, on continue de descendre. Ok, Grease, tu es devant, tu es à la porte de ton appart. Je me précipite dans l'appart, avec le flingue devant au cas où il y aurait déjà quelqu'un qui m'attend. Et si c'est pas le cas, je rentre, je referme la porte immédiatement, je me plaque le dos contre le mur au niveau de la porte, avec le flingue. En fait, l'idée, c'est que dès qu'il y en a un qui rentre, à bout portant, en fait, je lui allume une balle en pleine tête. J'ai juste une question, ça existe à l'époque encore, les arrivées de gaz, les machins dans les immeubles, ou c'est fini? Non, il y a des arrivées de gaz. Ok. En ce qui concerne ton appartement, l'arrivée de gaz, elle est là. Ok, donc dès que je rentre, en fait, correction, si ça existe encore, je cours comme un dératé en ayant fermé la porte derrière moi. J'arrive à l'arrivée, en fait l'idée c'est d'arriver à l'arrivée de gaz, j'arrache le câble pour que ça crache, et si j'ai le temps et que la porte n'est pas ouverte, je vais me positionner là pour tirer une balle en pleine caboche au premier qui rentre. D'accord. Ok. Donc là, c'est le tour des agents. Donc le premier qui est à l'extérieur, il rentre dans ton appart. Donc au tour d'après, tu vas voir effectivement arriver un agent quand ça sera à ton tour. Ok. Et le deuxième se bat au corps à corps avec 6 pistoles. Il faut faire un jet opposé de corps à corps, mon cher Sid. Mais without problème. Donc tac. Et là, je monte mon niveau, tu vois, je passe à 4 là, donc ça fait 10. Ok, tu l'emportes sur lui. Il essaye de te mettre une grosse droite dans la gueule, et il n'y arrive pas. La droite, elle passe à 2 cm de ton visage, et il s'éclate la main contre le mur, et en plus, il se fait mal. Brad, tu continues de descendre. Torch, tu continues de descendre. Sid Pistol. Vu que je viens d'esquiver, je lui mets un coup de pied, en fait, et pour qu'il soit à bonne distance. Et je l'aligne avec le flingue, parce que là, ce que j'imagine, c'est le doc et moi, il y a 3 flingues sur le mec et on le cripe de balles, quoi. D'accord. Donc tu y vas, tu as plus 4 à ton tir. Donc là, tu touches sans problème. Et je fais un gros jet, ouais, je fais 18 dégâts. 18. Donc il vient de te mettre une droite, t'as reculé de 1 mètre, t'as sorti le flingue, tu lui as mis un coup de pied, t'as tiré, tu lui as tiré. T'as réussi, en fait ton canon il est passé sous le casque que les agents de Militech ont et t'as réussi à le glisser entre son menton et le casque, t'as tiré, bam, à bout portant et là tu vois un éclat de cervelle et de sang et le mec s'effondre devant toi, mort sur le coup, tu viens de lui tirer une balle en pleine tête, il n'est plus là. Alors j'ai les mains, j'ai tout mon corps qui tremble parce que c'est vraiment pas le genre de truc dont j'ai l'habitude, malgré ma grande gueule Et là, je suis en panique et je me retourne vers le médecin et puis après, je me retourne vers la porte. Ok. Et tu vois que le Reaper Doc, il te dit Il y en a d'autres. Moi, je suis prêt, là. Il y en a d'autres. Putain, ces enculés, ils m'ont réveillé. J'étais en plein, en train de faire un rêve alors que j'ai pas dormi cette nuit. Putain, il y en a d'autres. Vous arrivez au deuxième étage. Vous entendez la porte du rez-de-chaussée qui s'ouvre. Oh putain. On s'arrête. Je passe devant et puis je descends doucement pour shooter tout ce que je trouve. Ok. Grease, tu es dans ton appart. Il y a un agent de Militech qui vient d'arriver, qui est à bout portant de ton flingue. Tu as plus 6 à ton jet. Vas-y. Je tire en pleine tête. Je fais 11 plus 6. Sans problème. Ouais, sans problème, tu touches, t'es à bout portant. Ok. 10 pour les dégâts. Ok. Donc tu le blesses gravement, il est pas mort, mais du coup il tombe au sol. Je peux tirer à nouveau ou j'ai pas la cadence? À tes pieds. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu retires? Il est à tes pieds, il est mourant, il est pas mourant, mais il est gravement blessé à tes pieds. Est-ce que tu l'achèves? Ah non, alors attends, là je me pose pas de questions, ils sont chez moi et tout, vu les circonstances, les machins, mon personnage il est en mode berserk, limite, je suis en train de me dire que je vais potentiellement crever là, mais chez moi, je pose même pas de questions, les mecs sont militaires et tout. Je tire une balle en pleine tête, mais vraiment qui voit le flingue. Enfin, je suis en train de passer une espèce de dimension un peu, inhumaine, clairement, hein, mais je suis à la fois terrorisé, je suis complètement. Balle en pleine tête. Ok. Donc tu l'achèves, t'as aucune peine à l'achever vu l'état. À ce moment-là, non, tout va trop vite, non. Et j'ai une deuxième question. Les fameuses puces là qui nous donnent notre identité, c'est une puce qui est injectée sous la peau, c'est ça? En réalité, tout le monde n'en a pas. Hein. Donc. D'accord, parce que mon idée c'était si moi j'en ai une et que le mec il en a une, en fait je voulais inverser et faire sauter l'appart pour voilà. En gros, je te donne le fond de ma pensée. Après, est-ce que moi j'arrive à m'en sortir? C'est encore autre chose. Mais... Non, c'est pas jouable. D'accord. C'est pas jouable. Et même un être là aurait un peu du mal. Et en plus, tout le monde n'a pas de puce. C'est plus compliqué que ça. Donc, autre question, les câbles qui sont par terre, c'est des câbles, les fils là qu'on voit? Ouais. C'est des câbles un peu... C'est costaud comme câble? Ouais. Vu la longueur, dès que j'ai tiré la deuxième balle dans la gueule, je me précipite, j'en chope un. J'essaye de l'enrouler autour de ma taille et j'essaie de voir où il est accroché en espérant qu'il est bien arrimé. Et on est d'accord que ça, c'est une fenêtre. Ça, c'est une fenêtre, ouais. Ok. Bon, bah la suite du plan, c'est simple. Hein, là, je prends le temps qu'il faut pour m'en précipitant, hein, en jetant un coup d'œil en permanence, flingue braqué vers la porte. Et je m'enroule la taille avec le câble, je fais comme je peux. Et je prie pour que ça tienne. Et le temps qu'il faudra, je sais pas combien de rounds pour faire tout ça. Après, je me précipite en courant. Je tire vers la fenêtre. Quand j'entends que l'hélicoptère est pas de ce côté... J'attends le dernier moment. Tu descends en combien de niveaux? Ah bah la longueur du câble, c'est peut-être un appart ou deux, j'en sais rien. Enfin, c'est la longueur du câble. Et l'idée, c'est de tirer pour faire sauter le truc hein, avec le gaz. Mais je le fais. Ça va me prendre plusieurs rounds. Donc en même temps, j'avise l'entrée si jamais il y a un autre mec qui se pointe. Quoi. Ok, tu me fais un jet de dextérité. McLean. Ok. Yippee-ki-yay, motherfucker. Oh. Oh, un 10, t'as le droit de rejeter un des 10. Un autre 10. Ouais, putain, c'est quand même mieux. Ok, donc tu réussis sans problème et en fait, t'arrives. Attends. J'ai fait 3 10. Non, t'as le droit de... Donc je relance. Non, t'as le droit de relancer qu'une seule fois. Ça aurait fait 48. Tu peux relancer qu'une seule fois, mais tu réussis sans problème. Et alors là, c'est la scène, elle est au ralenti, quoi. On voit Grease qui saute avec le câble, c'est effectivement John McClane. T'arrives 2 étapes plus bas dans un appartement vide. Et juste avant de sauter, je gueule « Si vous voulez rentrer chez moi, faut payer le loyer !» Et je me jette par la fenêtre. Ça sera dans la bande-annonce, c'est le... Alors donc, nous allons maintenant en arriver... Tim, Brad et Torch qui, eux, arrivent au rez-de-chaussée. Quand vous arrivez au rez-de-chaussée, vous voyez 2 agents Militech qui encadrent une nana qui est au rez-de-chaussée et vous voyez qu'elle est en train de s'affairer sur le node. Probablement qu'elle est en train de bidouiller le réseau interne de l'immeuble, quoi. Et les 2 sont là, sont autour d'elle. Ils vous ont pas vu. Vous avez ouvert la porte, vous voyez qu'il y a 2 mecs qui sont là en escorte pour cette nana qui est branchée sur un node de l'immeuble. Alors vous êtes derrière la porte, qu'est-ce que vous faites? On quitte l'immeuble, tranquille. Non. Je demande à Tim, je dis attends, ils sont devant là, ils vont nous voir, ils vont ouvrir le feu. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Vous pouvez pas sortir sans, vous pouvez pas sortir sans être vu, hein. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire la nana là? Est-ce que je tire dans le tas ou est-ce que... Moi, je serais d'avis d'évacuer l'immeuble. Quand on a entendu des coups de feu, on est parti, quoi. Non, mais on peut pas. Il n'y a que nous dans l'immeuble. Là, si vous passez, ils vous voient, hein, c'est sûr. Ouais, mais le tout, c'est de savoir si on nous tire dessus. C'est vachement risqué. C'est vachement risqué, Brad. Non, il veut qu'on dise qu'on est des occupants, on n'a rien à voir là-dedans, on a eu des coups de feu et on a eu peur, on se barre. Mais s'ils nous tirent dessus par instinct, on est mal quand même. Ils ont l'air d'en avoir rien à foutre de nos gueules. Hein. J'arrive à comprendre ce qu'elle fait, la fille. Là. Tu vois qu'elle est connectée à l'intranet de l'immeuble et que donc c'est probablement elle qui est en train de faire pleuvoir les trucs incendies, fermer l'ascenseur, etc. quoi. On a l'effet de surprise, on peut essayer de leur tirer dessus. Bon, je sors, je tire. Oh là là, non. Ouais, je l'accompagne. Ok. Je sors, je vais vers eux en les braquant. Tant qu'ils m'ont pas vu, j'avance, et au moment où ils me voient, je tire. Donc j'essaie de me rapprocher. T'essayes pas de voir leur réaction avant de tirer, non, je les braque, je tire. Au moment où tu me le dis, tu es... Attendez, déplacez pas vos persos. Pardon. Au moment où tu me le dis, tu es à 9 mètres, c'est-à-dire que tu as une difficulté de 13. Tu me fais ton jet. Tu tires sur le premier, j'imagine? Je tire sur le premier. Ok, vas-y, fais les dégâts, t'as touché, hein, c'est bon. Alors, ça fait 14. Torch, qu'est-ce que tu fais? Je tire aussi. Tim, qu'est-ce que tu fais? Je tire vraiment, mais c'est... Tu touches largement, fais les dégâts. Tu tires sur le premier ou le deuxième ou la nana? Le premier. 12. Ok. Ah, je sais pourquoi. Donc, t'as tiré sur le premier, hein? Ouais. Ouais, donc en fait, entre ton tir et le tir de Brad, vous l'avez abattu, vous voyez qu'il s'effondre. Et là, vous voyez qu'il y a la nana qui est avec la cyberconsole, elle commence à reculer. Et elle s'abrite derrière le premier, le deuxième, pardon, le premier étant mort. Deuxième. Et lui, il riposte. Et il vous tire dessus. Il tire un peu à l'aveugle parce qu'il a été surpris. Il rate. Dans le pied. 64. Non, il se tire pas dans le pied, mais il rate. Brad. Il est à combien de moi, le gars? Il est à 15 mètres de toi. Et ben, je continue d'avancer vers lui en tirant. 7. Tu touches. Dégâts. Wow, pas mal. Ok, donc là en fait tu lui as arraché la jambe. Tu lui as tiré dans la jambe, tu vois du sang qui gicle sur les murs et tu vois qu'il tombe par terre, il tombe au sol. Et à ce moment-là, il y a Nana qui comprend qu'elle est toute seule et elle court en direction de la sortie de l'immeuble. Je me lance et je lui cours après. Tu réussis à la rattraper. Je la plaque. Tu la plaques sur le sol. Ok. On va interrompre la scène ici et revenir à l'étage. Qu'est-ce qui se passe à l'étage? Qu'est-ce que vous faites à l'étage? Alors juste, j'abandonne pas les lieux moi. J'ai sauté 2 étages en dessous pour éviter d'être coincé. Et dès que j'arrive dans l'appartement en dessous, mon objectif c'est je refonce dans l'escalier et je remonte pour les prendre à revers. Parce que si les mecs ils m'ont vu rentrer, ils pensent que je suis encore dans l'appart. Et l'idée c'est d'aller remonter la pleine bourre pour les prendre à revers, sachant que moi je sais qu'il y a le gaz qui fume, qui crache, donc je suis aussi prudent quand même. Et donc quand j'arrive là, c'est flingue au point et je suis prêt à tirer. Voilà ce que je veux faire en tout cas, l'intention. Ok, donc t'es en train de remonter par les escaliers. Pendant ce temps-là, Sid, Pistole, qu'est-ce que tu fais? Bah moi j'ai explosé la porte, donc maintenant je me mets dans l'encadreur de la porte, mais à l'intérieur de l'appart avec le doc. Je lui fais signe chute et je braque le couloir et en gros je lui fais comprendre qu'on tire s'il y a quelqu'un qui apparaît. Et je reste comme ça en position. Ok. D'accord. Gris, tu arrives à l'étage, tu vois qu'il n'y a personne, il y a du sang partout par terre, mais tu vois qu'il n'y a personne. J'avance jusqu'à me positionner là et je jette un coup d'œil furtif à droite et à gauche pour voir s'il y en a un autre qui descend ou s'il y en a un autre qui est rentré dans mon appart. Tu vois personne, tu vois rien du tout. Je vois Sid en face. Tu vois Sid en face, tu vois le bout du flingue de Sid en face. Sid. Gris. Traverse. Je regarde le couloir, et une fois que j'ai inspecté le couloir, je traverse. Ok, vous me faites tous les deux un jet de perception, qui est dans votre onglet Vigilance. Ok, Grise, Tu entends, alors que vous avancez dans le couloir en direction de ton appartement, tu entends les pas, les bruits de l'hélicoptère qui s'éloignent. Et tout à coup, tu l'entends même plus, l'hélicoptère. Ok, je fonce dans mon appart, couper le gaz. Ok, on revient au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, Torch, tu as plaqué au sol la neutronneuse. Elle est en dessous de toi et elle se débat. Qu'est-ce que tu fais? Je lui mets un gentil coup de poing dans la bouche. Gentil. Ok. Bon, je vais m'assurer que les deux mecs sont morts et qu'il n'y en a pas un troisième dans le coin. Non, il n'est pas mort. Le deuxième, il n'est pas mort. Il est blessé, il est au sol, il a la jambe explosée, mais il n'est pas mort. Je la bats. Ok, Tim, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais voir la copine, là. Quand tu arrives à côté d'elle, tu la reconnais. Et tu vois qu'il s'agit de Crunch, qui est une neutronneuse assez célèbre, qui a aucune morale. Elle s'en fout, elle bosse pour qui la paye. Et c'est une nana que tu respectes parce que c'est une bonne neutronneuse. Mais tu sais qu'elle c'est une mercenaire du netrunning, quoi. Elle travaille au plus offrant. Bah, je lui dis, t'as pas honte de bosser pour ces gens-là? Mec, je bosse pour qui paye mon loyer, mec. Et dis à ton pote de me lâcher. C'est bon, là. J'ai pas d'armes. Je suis même pas armé, là. Lâchez-moi. Je la fouille. Elle est pas armée. Et je trouve rien d'autre. Ce truc qui pourrait m'intéresser. Non, mais sans parler d'armes. Elle a son... Elle a du matos, ouais, elle a du matos, mais vous êtes toujours... vous voyez qu'il y a toujours pas de réseau, donc bon, sur son agent, tu vois pas de truc récent, quoi. Est-ce que tu fouilles plus en profondeur? Ouais, je voulais voir s'il y a un truc qui pourrait me... Enfin, ça pourrait pas nous aider pour la suite, quoi. Alors, dans son agent, tu trouves effectivement un ordre de mission qui a été initié par WorldSat, dans lequel on lui demande de participer à une opération clandestine visant à assassiner Grease pour permettre une destruction plus facile de l'immeuble. Je lui demande si c'est elle qui est... Si c'est elle qui a coupé, qui a tout coupé, quoi. J'ai fait mon boulot, mec. Tu aurais fait quoi à ma place? Je l'aurais pas fait. Ouais, c'est ça. T'as des enfants, toi? Ça peut te foutre. Bah, moi, j'en ai des enfants. Moi, j'ai besoin de les nourrir. Écoute, ferme ta gueule. Dis-nous comment on peut arrêter tout ce bordel. Mais moi, je suis juste venu faire un boulot. Je l'ai fait et puis c'est tout. Voilà, j'ai perdu. Tu vois le copain qui est derrière, là? Il va s'énerver. Ouais, et tes enfants, tu vas pas les revoir. T'auras plein de thunes, mais tu pourras pas les nourrir. T'attends quoi de moi, là? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On m'a demandé de faire un boulot, je l'ai fait. Bah, WorldSat. Je peux pas te dire de nom. Non, mais d'accord, mais c'est pas un nom. J'ai fini de ramasser toutes les armes et tout le matos, Henri. Un classique. Ouais. Alors, je reviens vers la nana. Absolument. Ouais. Je reviens vers la nana. Je l'attrape par la gorge. Je sors mon poignard, je lui mets sur la figure. Et je lui dis, je vais compter jusqu'à 10. Et à 10, je vais te buter si tu m'as pas donné une réponse. Mais c'est une réponse à quelle question? Une raison de ne pas tuer. À quelle question? C'est quoi ta question, connard? Arrêtez ce bordel. Mais j'en sais rien comment arrêter ce bordel. Moi, j'ai juste été payé. J'ai juste été payé. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit une raison de ne pas te tuer. Mais une raison de pas me tuer, c'est juste que on m'a embauché pour faire un boulot, je le fais. Tu me dis quand on est en bas, nous. Vous êtes encore en bas. Une raison pour pas me tuer, c'est que, mec, que je fais ce que je peux pour gagner ma vie. Il va le faire, il faut une meilleure raison. Il va le faire, je le connais. Une meilleure raison, il n'y en a pas. J'ai juste besoin de nourrir mes enfants. Je la tue. Comment tu fais pour la tuer? Dans l'œil. Oh. Putain, je suis à côté, merde. Donc vous êtes... donc Tim... Ça fait ultra années 80, ça j'adore. Tim et Torch, vous assistez à cette scène, vous voyez Brad qui met un grand coup de couteau dans l'œil de la meuf. Elle est en train de dire « Mes enfants, ma fille... » Et là, vous voyez le globe blanc, le truc dégueulasse, du sang partout dans l'arcade sourcilière. Et son corps s'immobilise, elle ne bouge plus, elle est morte. Putain, Brad, merde, tu pouvais faire ça proprement, tu fais chier. Au même moment, vous voyez Sid... Vous voyez Sid et Grease qui arrivent en bas de l'escalier, qui rentrent et qui sont sur le point de vous dire quelque chose. Et au même moment, vous avez vos agents, vous avez un message, deux messages, trois. Vous avez des messages qui s'affichent et vous comprenez que le réseau est revenu. Et vous comprenez que vous venez de sauver cet immeuble. provisoirement, j'imagine. Donc, moi, la première chose que je veux faire, c'est demander à Tim la capture d'écran qu'il a faite de la tablette avec l'ordre de mission, de destruction là, de World machin. Et je l'envoie à tous mes contacts, journalistes, machin, surtout les indépendants, en leur disant voilà aujourd'hui ce qui se passe, je suis prêt à témoigner, machin. En gros, l'idée, c'est d'avoir immédiatement, de faire passer la news, d'avoir le soutien populaire pour pouvoir en gros faire pression, pour pouvoir que tout le monde soit au courant que si la compagnie se pointe demain pour tout détruire, c'est en toute illégalité, c'est et en fait je rameute toute la presse possible et imaginable. Dans les minutes et les heures qui suivent, vous avez tous les habitants de l'immeuble qui reviennent, qui applaudissent, qui vous disent putain vous avez sauvé notre immeuble, enculé de corporatiste, on se laissera pas faire. Et vous avez ce sentiment d'avoir réussi, provisoirement, à sauver la liberté du peuple contre le pouvoir des immenses corporations. On est quand même en cyberpunk, et ouais. Dans cyberpunk, l'argent, machin. Donc, comme on s'est quand même vachement activé... augmentation de loyer. Ouais, on passe à $400 la semaine. Plus tout le gaz que tu as consommé. En tout cas, je vous félicite. Vous avez réussi cette première mission qui était The Apartment, le scénario sortir de l'appartement, l'initiation à Cyberpunk Red. Et vous avez survécu, non sans difficulté. Félicitations. Moi, je pensais que j'allais crever. Hein. Ouais, bah pareil. Honnêtement, je me suis fait... Je pensais que t'allais crever aussi. Hein. N'oubliez pas toutefois que vous avez gagné une bataille, mais vous n'avez pas gagné la guerre. Et ne faites pas ça chez vous. Nous sommes de vrais professionnels.